Bonjour, je vais vous présenter un exercice d'étirement pour les ischio-jambiers. Ce sont des muscles qui se situent derrière la cuisse et qui ont comme rôle de ramener le talon vers la fesse, mais aussi de tendre la jambe. C'est un muscle qui est sollicité au quotidien, que ce soit dans la marche ou dans les courses, mais aussi pour les activités physiques, pour tout ce qui est course, bien sûr, mais pour tout ce qui est saut aussi. Je vais donc vous présenter différents étirements pour ces muscles, assis, debout, mais aussi au sol. Afin de réaliser ce premier étirement debout, vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un tabouret, mais aussi de vous placer à côté d'une deuxième chaise, d'une table ou d'un meuble, afin de vous tenir et éviter de perdre l'équilibre. Vous allez devoir poser le talon sur votre chaise ou votre tabouret, bien garder la jambe tendue et ensuite se pencher en avant tout en gardant le dos bien aligné. Pensez à bien respirer pendant cet étirement. Pour les personnes qui sont un petit peu plus souples, il y a aussi la possibilité de plier légèrement la jambe d'appui, ce qui va accentuer l'étirement. Pour réaliser cet étirement assis, prenez une chaise ou un tabouret et placez-vous au bord de celui-ci. Tendez la jambe devant vous en mettant le talon sur le sol et en amenant vos orteils vers le plafond. Placez votre main sur la jambe tendue afin de faire glisser votre main tout en penchant le buste vers l'avant et en gardant celui-ci le plus droit possible. Arrêtez-vous à partir du moment où vous sentez un étirement à l'arrière de la cuisse. Maintenez cette position et comme à chaque étirement, pensez à bien respirer. Afin de réaliser cet étirement au sol, il faudra vous munir soit d'un élastique, d'une serviette ou même d'une corde. Donc allongé sur le sol, je vais tendre une jambe et placer mon élastique derrière le pied de la jambe que je souhaite étirer. Je vais tendre la jambe et je vais pouvoir par la suite tirer sur mon élastique ou sur ma corde. Comme à chaque fois, pensez à bien respirer pendant ces étirements. Utiliser un élastique, une corde ou une serviette permettra donc de tirer et d'accentuer l'étirement sur les ischio-jambiers, bien sûr. Il ne faut pas tirer trop fort afin d'éviter d'avoir mal. Ces étirements sont à mettre en place dans la journée, après-midi ou fin de journée, en évitant le matin, car c'est le moment où les muscles sont froids. Il faudra maintenir les positions d'étirement au minimum 10 secondes et ne pas oublier de faire le côté droit et le côté gauche. Je vous rappelle que bien respirer pendant les étirements va permettre d'augmenter le relâchement musculaire et vous pourrez faire entre 2 et 4 séries pour cet étirement. J'espère que cet exercice vous amènera à mieux-être et surtout, prenez soin de vous.